Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, on se retrouve pour que, comme promis, lors de la dernière vidéo, je vous donne quelques nouvelles, quelques semaines plus tard, de mes courges. Alors, il y a un peu de vent, j'espère que la bonnette anti-vent que je me suis improvisée jouera son rôle. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi, je m'en excuse par avance. Donc les courges, pour rappel, avaient souffert d'une décoloration très particulière sur le feuillage quelques jours après leur plantation ici sur le terrain. À la maison, tout se passait bien, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur stade de développement d'ailleurs. Aussitôt arrivé dans le jardin, ça se passait mal, et toujours de la même manière. Des symptômes d'ailleurs qu'un copain a rencontré quelques semaines plus tard aussi chez lui, c'était tout à fait comparable. Donc ce feuillage qui devenait complètement gris, couleur plomb, et avant de jaunir, et puis de s'étioler complètement, quoi. Bon, donc également pour rappel, j'avais apporté un peu de soufre en m'imaginant, peut-être à tort, encore une fois, qu'il s'agissait d'une attaque fongique et qu'un champignon était à mettre en cause dans ce problème phytosanitaire ou physiologique rencontré par les courges. On vous avait demandé également à travers cette vidéo ce que vous en pensiez. Vous avez été très nombreux à nous répondre et merci beaucoup. Et vraiment, hein, je le précise, on a considéré chacune de vos réponses avec beaucoup d'attention. La majorité d'entre vous a écarté l'idée que ça puisse être un champignon. Et vous avez plutôt pensé globalement qu'il s'agissait d'un problème d'acclimatation. Alors, avec deux pistes possibles, hein, selon les intervenants, on a eu deux retours possibles, soit un coup de froid, alors c'était quelques jours avant les seins de glace, hein, la plantation, soit un coup de froid, même s'il n'avait pas gelé à ce moment-là, soit au contraire, un coup de soleil. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, on vous a écouté, vraiment, et on a acclimaté les courges suivantes, hein, qui étaient là en remplacement. Ça, c'est une première réponse qu'on a apportée au problème. Ensuite, j'ai effectivement passé un coup de soufre sur les plantes qui étaient déjà là. Alors, j'ai dû utiliser en tout et pour tout 40 grammes de soufre. Dire, il n'y a pas de quoi... hein, ça va, hein, c'est pas non plus... Je veux bien qu'on... pas d'intrants, le moins possible. Le soufre, encore une fois, je le répète, c'est à mes yeux, hein, une substance minérale qui posera pas réellement de problème, surtout dans cette proportion, sur notre terrain. Chacun met le curseur là où il l'entend, encore une fois. Je peux très bien supporter d'avoir employé 40 grammes de soufre ici sur cette parcelle. Ce qu'on a constaté derrière ça, c'est d'abord une gelée, une vraie gelée. Donc on a perdu effectivement les plants que je vous montrais dans la dernière vidéo sont morts, hein, gelés tout simplement. Ça c'est bon, voilà, c'est tout. Et d'autre part, on a donc replanté des nouveaux plants et le problème c'est reproduit, ça a recommencé. Donc de nouveau le feuillage gris plomb, puis les feuilles jaunes, puis la mort des feuilles en question et la plante qui se porte de moins en moins bien. Nouvelle application de soufre, donc quand je vous dis 40 grammes, c'est 2 fois 20 en réalité, hein. Nouvelle application de soufre et le problème a disparu. Vous pouvez le constater, hein, ici. Alors, voilà, les premières feuilles qui ont été atteintes, on les a perdues. Par contre, les plants ont réussi à se retaper. J'ai même des petits concombres qui arrivent déjà. Là, j'ai des fleurs sur ce plant de courgette ici. Voilà. Néanmoins, j'ai fait intervenir, il a eu la gentillesse d'intervenir un copain à moi, un collègue qui n'intervient pas en aménagement paysager comme moi, mais qui enseigne en agriculture plutôt. Et François Jean, donc, a prospecté de son côté, a cherché, a beaucoup cherché. Et on a recoupé un petit peu nos résultats. Et on est arrivé aussi à une autre probabilité, donc non pas un champignon, mais un alerode
qui est hébergé en particulier par le colza qui est juste à côté en plus. Donc c'est un facteur qui nous amène peut-être aussi à imaginer que ça puisse être ça, en tout cas, hein. C'est pas une certitude, hein. Cet aleurode serait responsable d'un trouble qu'on appelle l'argenture de la courge. Et effectivement, la couleur plomb que je décrivais, la couleur argent dont témoignent les feuilles quand elles sont atteintes par ce problème-là. Merci, t'as bougé la caméra, Séverine. Ouais, bah ouais, je sais bien, il pleut. Voilà. Alors on remet. Ça va. Voilà. Donc il pleut pour vous expliquer. Et chez Séverine qui est sur la caméra pour essayer de la protéger un peu de la pluie, c'est pas très grave. Donc l'argenture de la courge se manifeste par une décoloration tout à fait identique à ce qu'on a constaté ici. On n'en est quand même pas à conclure, en tout cas, qu'il s'agissait de ça, parce que d'autres questions se posent. Alors pourquoi, là maintenant, on est tranquille? Alors le colza, il n'est plus au même stade de développement, il est en train de faire ses graines. Peut-être que les aleurodes en question ne sont plus présents sur site, là maintenant. Il y a plein de questions. On a un concombre dans la serre qui, lui, n'a pas été atteint, qui avait été replanté en même temps que les précédents. Il n'a pas été atteint. Pourquoi? On ne sait pas. Les aleurodes en question, je ne les ai pas vus. J'ai rien vu du tout. Je n'ai détecté aucun insecte, hein, sur les courges en question. Voilà. Et le soufre est un fongicide, ou en tout cas un fongistatique, mais ça n'est pas un insecticide. Et pourtant, le problème semble avoir été réglé, en tout cas parallèlement à l'application de soufre, si ce n'est par l'application de soufre. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que bon, les courges vont mieux, tant mieux. Le soufre semble avoir joué un rôle là-dedans, j'en suis à peu près certain, mais c'est pas suffisant encore pour que j'en tire une conclusion ferme. On vous a écouté, on a replanté, mais 15 jours plus tard, donc on a attendu et on a acclimaté les plants, ça a sans doute joué un rôle également, même si, encore une fois, je le répète, hein, les nouvelles plantes qu'on a ramenées 15 jours plus tard, même avec acclimatation, ont souffert des mêmes troubles, dans un premier temps, entendez-le quand même, hein. Voilà, donc on n'est pas trop sûr finalement, j'ai tendance personnellement, mais ça c'est ma culture personnelle qui veut ça, à penser qu'il s'agissait bien d'un champignon, mais encore une fois, on n'a rien trouvé, on n'a rien identifié formellement qui aille dans ce sens, et au niveau rapprochement, disons, des symptômes avec la littérature, si on s'amuse à cet exercice-là, on se rapproche plutôt quand même de l'argenture de la courge, quoi. Hein, voilà ce que je peux vous dire au sujet de nos courges. Encore une fois, elles vont mieux, tant mieux. Vous nous avez vraiment aidé, tant mieux aussi, et merci surtout pour ça, quoi. Je vais vous donner quelques nouvelles de nos petits pois également, sur lesquels on a, hein, qui ont subi une autre attaque. Non sans vous parler également de ces courges qui, en particulier les courgettes, en fin de saison, vont souffrir d'oïdium, c'est à peu près sûr. On a du soufre à la maison, il y aura de l'oïdium sur les courges. C'est pas pour autant qu'on s'attaquera à ce problème et qu'on va souffrir nos courgettes, quoi. Au moment où l'oïdium apparaît, généralement, on est vraiment en fin de saison, et des courgettes, on en a jusque là, quoi. Donc on les laisse péricliter tranquillement. C'est pas suffisant pour déclencher un traitement, en tout cas sur les 2 années qui ont précédé. Selon notre expérience, on n'avait pas atteint ce qu'on appelle le seuil d'intervention, quoi. Voilà. Alors je vous montre tout de suite les petits pois, vous allez voir. Alors voilà, hein, je vous laisse apprécier. Vous savez qu'on fait pousser nos petits pois, on les sème dans des pots, et puis ensuite on vient les réinstaller ici en ligne. Ça marche très très bien. Et cette année, l'année dernière également, on avait été un peu ennuyés, mais pas à ce point. Hein. Là, ils ont été dévorés, on ne sait pas par quoi, là encore, le ravageur, on ne le voit pas. Donc je suis incapable de vous dire de quoi il s'agit, mais c'est vraiment un problème préoccupant. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de petits pois cette année, ou ils seront pas très beaux, hein. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à ma copine Laure, qui nous a refilé quelques plants en dépannage, hein, en réponse au problème qu'on avait connu à côté, et qui nous a donné un certain nombre de courges diverses et variées, en nous précisant bien ce qui est marqué sur les pots, potirons ou autre chose, systématiquement c'est pas ça, quoi.
Ok, donc c'est quoi? Je ne sais pas, tu verras. Voilà, donc on les a installés ici, et puis effectivement, on verra bien lorsque ça se développera, et bien ce que ça peut donner, quoi. Merci Laure, donc. Puisque je suis sur un terrain de libre expression aussi ici, je vais pousser mon petit coup de gueule. Alors, je le fais peut-être pas, certains penseront, sur la bonne chaîne. On n'est pas sur ma chaîne Ornitho, on est sur ma chaîne Potager. Néanmoins, ça concerne bien les cultures. J'étais donc en suivi du busard cendré, hein, une espèce qui niche dans les plaines agricoles, donc ici dans la région, avec un copain ornitho, et on a eu la très désagréable surprise de constater que des superstitions ou des vieilles croyances persistent encore dans le milieu agricole. J'espère que c'est pas le cas chez les potagistes, pour les appeler comme ça, amateurs, hein, vraiment, parce que c'est désolant. On a eu la mauvaise surprise de constater que des gens s'attachaient encore à suspendre des cadavres de corneilles noires. Alors, dans la mesure où ils réussissent à les identifier, parce que là-dedans, il y a peut-être des choucas, il y a peut-être du corbeau freux, il y a peut-être d'autres choses. A priori, de la corneille noire, donc suspendue à des poteaux, hein, et puis répartie comme ça sur les champs, de manière à servir d'épouvantail. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce qu'il y a un épouvantail là-bas derrière, hein, qui est fait avec un vieux bleu de travail. Bon, voilà. Après, l'épouvantail, il joue son rôle, plus ou moins. On y croit, on n'y croit pas. Bon, moi, je trouve ça très marrant. C'est sympa. Puis il y a des fêtes de l'épouvantail ici et là. Mais alors, utiliser, piéger, tuer et utiliser les cadavres ensuite de corneilles à ces fins-là, c'est d'une débilité sans nom, quoi. Voilà. C'est grotesque, absurde, arriéré complètement. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'est des pratiques choquantes et qui, en plus, ne portent aucun résultat, quoi. Voilà, c'est dit. Encore peut-être une petite précision sur les courges. On n'a pas remis de phosphate ferrique, puisqu'on n'a pas constaté d'attaque de limaces, tout simplement. Pas d'attaque, pas de phosphate. Hein. C'est pas systématique, hein, là encore. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit bilan rapide. Hein. Il fallait bien qu'on vous fasse un retour sur ce problème. Je vous quitte au milieu de nos oignons, ici, hein, qui se portent très très bien. On en a mis 5 planches, hein, donc 5 fois 1m20 sur 4 mètres. Enfin, oignons, échalotes, etc. C'est vrai qu'on en consomme énormément. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on est un petit peu à l'étroit quand même au potager qui dit non et qu'on aimerait bien avoir une surface supplémentaire un de ces jours. Ça serait quand même sympa. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.